Et eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Chronos83 aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre Let's Play sur Assassin's Creed. Voilà quoi. Black Flag, donc le 4, 4ème du nom, donc enfin le 4ème du nom, sans code par révélation, etc. etc. Et ben je vous propose qu'on y retourne. On s'est arrêté au niveau de la Havane, enfin on est retourné dans l'Animus et on a découvert que Desmond Miles, on se servait des trucs de Desmond Miles pour faire un jeu. On est Edward Kinway, né en 1693 dans le genre, c'est un gallois, et puis bah, on est reparti. J'ai hâte de voir comment ça va continuer. Il y a une certaine classe, il faut l'avouer. Assassin's Creed 4 Black Flag. Oh yeah! La mer! Putain, qu'est-ce qu'elle est! Ah. Elle est le plaisir de la Havane! J'avoue l'avoir déjà savouré! Et je ne suis pas prêt de l'oublier! Cuba! En 1715. Tu connais quelqu'un ici? Non, non, non! Je tiens juste à me montrer amical! Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate! Tu as raison! Un voyou comme toi doit savoir rester prudent! Hein? Ok, on est parti. Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans, et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais un coin pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans... une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Avec plaisir. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Landy. Oh oui. De la bonne bière, ou plutôt du rhum pour le coup. Je me demande combien de réales ils ont volé pour finir là-dedans. Très sympa. Il y a encore les mecs sur les toits. Ouais, ça a l'air d'être la ville où on va. Vous ne connaissez pas ces femmes quand même. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réales pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente ? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. C'est pas mal ça. En plus, t'es... Enfin, voilà. Voilà une échoppe où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendrait. Mais quel marchand, en fait ? Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Ah d'accord, ici. Prête-moi quelques réales, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Mais bien entendu. Merci. Alors, on doit prendre quoi? L'ensemble d'épées. Oh non, pas des... Oh non, je veux pas des sabres britanniques, moi. Ouais, je veux ça, moi. C'est français. C'est français, ça aussi, mais putain, c'est pas donné. Hein. Bon, on n'a pas le choix. Combien d'avantages. Et toi, Bonnet? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Et il sera bien utile en cas de malheur. Oh, sacre bleu. Je vous ai égaré, Duncan. Oh, t'es malin, toi. T'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller? Une taverne avec une sorte de cour intérieure. Tout de suite. Hop. Ah oh, ouais, ça fait plaisir de pouvoir grimper. Hop. Dieu, que vous êtes agile. Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Ah, bien parlé. C'est bien dit, je l'avoue. Non, c'est par là. Hop, voilà. Faut que je m'y remette à l'escalade, hein, putain. Hop. On y va, on y grimpe. Grimper au sommet de l'église.
Non, on se met bien quand même pour synchroniser. Voilà. Tada. Voilà, on est synchronisé donc à la vanne. Waouh, Cuba. Je suis un espagnol. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. Arrêtez, tiens bon. Je dois le faire. Attends. Ah, j'en perds le souffle. Non. Je crois que mon cœur s'est arrêté. Je t'attrape. Je te brise les genoux. Ah, il fallait courir après. D'accord, j'avais pas compris. Excuse-moi. Bon, allez, on y va. Paquet des trousseurs, ok. Hop. Je vais te coincer, Shang. Hop. Il a pas l'air de courir bien vite. C'est... Il me semble que c'était B pour les plaquer. Allez. Je suis derrière toi. Bah, il a qu'à se retourner. Hop. Attends, ça me tait un peu. M'oblige pas de poursuivre dans le port. Sale port. Voilà. Dans ton cul. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. tout ça? Tout ça pour ça? Non mais sans déconner, les gars. Allez, on y retourne. Ah, ça faisait plaisir. Par contre, y a pas de musique épique, hein. Je suis désolé, mais il faut des musiques épiques pour ça. Tac. Non, j'ai pas mal à la tête. Vous êtes en vie. Ou je suis pas fou. Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait. La cabessa, donc c'est tête, mais après j'ai pas compris ce qu'il voulait dire l'autre. Ah, nous y sommes. Nous y sommes. Très bien. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un gallois en plein pays mec. Comment il sait que je suis un gallois? Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein en attendant la prochaine guerre. Bon vieux Georges. L'Ontario a tout aimé. Hey, voilà. J'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. T'es ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Bouh. Comment ça tu... Vous cherchez la merde les gars. Allez. C'est parti. Allez venez. Allez viens, attaque mon chien. Tac. Ouf. Dans les couilles. Oh, dans la tête. Allez les gars. Boum. Allez. Je peux pas... Ah. Ah d'accord, pour projeter, d'accord, j'avais pas compris le truc. B. Ouf. Boum. B sur B. Wouhou. Houta. Toujours épique dans Assassin's Creed que t'as tout le monde qui regarde. Voilà. Bon, moi je fais le... Ah, j'ai pas eu le temps de faire le rapia. Je crois que je vais devoir me barrer encore. Vous n'allez pas partir. On se reverra. Perro inglés. Oh oh. D'accord. Wouhou. Je suis Batman. Merde. Allez, mes grappes. Oh merde, d'accord, faut se barrer, on va passer par là. Hop, 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 oups, oups, oups. Oh les mecs, oula. Bon allez, on va passer par là, on va passer quand même les escaliers. Les escaliers comme des gens civilisés. Hop. Vous m'avez vu? Eh bah ouais, allez c'est parti. Allez encore. Tiou, tiou. Et on saute. Allez c'est parti. Hop, on grimpe. Ils vont pas capter. Allez, c'est bon. Voilà. On m'appelle Anonymous. Oh, il me voit pas. Hein. Bah ouais, il me voit pas. Oh, merci. Oh, elle est hyper cool la meuf là. Merci, demoiselle.
Voilà. Bon, alors, on va garder les mains. Prostituée. Ouais, je vais me fondre dans la masse. Voilà. Ouais. Oh. Trop bon. Ah, tellement bon. Cette ambiance. Bon, alors, on doit aller où? Là-bas. C'est quoi ça? Oh! C'est un méchant! J'avais pas compris. Ouais! Prenez mon argent, mais laissez-moi le. On vole pas! Oups! Je vais le faire tomber. C'est l'occasion en or. Je l'ai pas tué, hein? Non. C'est nickel. On va récupérer son cadavre. Par contre, là. Voilà! Allez, c'est parti. Ça, ils font des sauts de 10 mètres, les types. Oh oh oh, on a pas le droit. Il y a un coffre. Bon, on ira plus tard, les gars. On est pas, je pense. On va avancer dans l'histoire pour avoir plus d'informations sur tout ça. Comme ça, qu'on fasse les petits. Bon, on fait la prologue pour. Histoire de. Enfin. Histoire de nous donner les petites bases de la ville. Les petites armes et tout, les petits bonus, les petits changements par rapport à avant. Et après, bah, je pense qu'on se fera des petites bases à la ville. On verra bien. En tout cas, c'est vachement cool. Putain, je fais le con là. Hop, on grimpe. Honnêtement, l'ambiance, ça change des autres. Hein. Je le reconnais. C'est beaucoup plus. Ah, c'est beaucoup plus joyeux. Enfin, c'est pas que c'est pas joyeux dans les autres, mais c'est. Plus attirant, je sais pas trop comment décrire ça. Bon, on retourne au port. Que non, 150 quoi. Ouf, c'est un peu cher. Salut et mon sucre. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Oh. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang! Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est moins maldade, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Viens, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. Pourquoi il y a la souris? La vision d'aigle permet de distinguer des éléments intéressants. Elle met les ennemis et animaux en surveillance rouge et les cibles et objectifs en surveillance dorée. Pour employer la vision d'aigle, appuyez sur L. Remarquez, la vision d'aigle ne peut être qu'employée en courant. Lorsque vous employez la vision directe, vous pouvez marquer jusqu'à 10 ennemis ou animaux rien que le regardant. Un ennemi marqué est repérable à travers les murs, même si vous cessez d'employer la vision directe. Hop. C'est pas possible que cette souris reste. Bon, on verra. Honnête. Je crois que je commence à prendre le pli. Silence. Je crains qu'il ne nous ait repérés. Reste derrière. Oh, nous devrions peut-être nous séparer pour nous tromper. Mais quel boulet. C'est la idée de la journée. Ta, ça c'est l'infiltration, ça c'est le truc que j'ai toujours moins géré dans Assassin's Creed. Il me voit pas. Ouais. Allô, moi. Vous êtes en retard. Oui, monsieur. Oui, nous sommes désolés. Notre capitaine nous a retardé. Pourquoi? Oh. On marche un peu plus vite. Parler du capitaine.
impatient de faire votre connaissance. Mais il doit d'abord assister à... J'ai pas vu. Ça risque d'être chaud. Quelle aubaine, monsieur. Quand nous entendrons la cloche... Il faut que je suive eux, d'accord. Ça, c'est un ennemi. Ils en sortent. Cela me réjouirait, surtout si c'est le capitaine Mendoza qui actionne la trappe. Il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de s'acquitter de ses dettes. Il a des biens à vendre, du sucre. Bah, parfait. Ouais, il s'en fout. Pour vendre son sucre. Moi, j'avais pas pire. Putain. J'aime pas ça. On ira prendre le coffre plus tard, quand on fera le fou. Quoi ? Mais trop cool, une pendaison ! Oups. On y va, on va passer par là. On va voir. Hop. Pendaison. Putain. Pousse-toi. Pendaison quoi. Voilà, on va courir un peu plus vite tout de même. Attendez, je veux juste voir son objectif secondaire. Non. Attends, ah si. Engager de danseuse pour distraire les gardes. Hey Joe. Par ici. Par ici. Sur LP. Mais sur qui? D'accord. J'avais pas vu. Elle va me suivre l'autre. Oh d'accord, je l'ai employé mais bon. Ouais, c'est trop tard. Nouvel objectif. Youhou. Lui là, LB. Ouais, c'est ça. Elle sera bientôt finie, monsieur. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura pendu, il vous versera. C'est pas grave. On y va. Oh là là. Le Mac. Des marchandises, du tabac, du rhum, du sucre. Si, si, nous avons saisi une belle quantité de sucre. La nuit dernière, à un gros anglais. La nuit dernière, et mes couilles. Un anglais ? Si, du sucre des barbares, de bonne qualité. Son propriétaire a provoqué une rixe la nuit dernière. Il appuie en abandonnant son sucre. Cela conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo? Non, monsieur. Je pense que le capitaine Mendoza voulait... Voilà. Oui, c'est certain. Est-ce que ça a marché? Ouais, je crois. Par tous les dieux, cette grande brute est le capitaine Mendoza. Qui ça? Non, monsieur. Ça, c'est El Tiburon, l'homme de main du gouverneur Torres. Oh, il est classe, lui. T'es l'ont pas vu, les enfoirés. C'est fou, hein. On œuvre pour le bien. Enfin, je sais pas, surtout pour les papiers, mais... pour la fortune. Salut chérie, comment ça va? Merde, on a trop gros cul les gars, je vais pas passer. Hop, vous venez avec moi.
Y a des gardes à distraire ici. Eux là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Oh. Et comment je fais? Je crois que je passe par là. On le voit à travers, c'est génial ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? J'aime pas trop ça. Ah ouais, on peut pas passer. Ok, je me casse les gars. Vous me voyez pas. On va passer par là. Je pense pas que vous me voyez beaucoup. Hein. Hop, on va passer par là. Oh putain. Ils veulent ma mort, c'est fou. Alors. Oh, vous êtes sérieux, le mec il se barre. C'est possible ça. Oups. Oh merde. Il m'a vu. Allez. Voilà. Il y avait un objectif passé à repérer. Je sais pas. Ils m'ont pas vu les gars. Comment on fait pour voler déjà? Oh mec, je lui ai fait un tampon et l'a volé quoi. C'était beau. D'accord, faut rester à côté. Je pensais qu'il fallait juste passer. On va y aller mollo. Je l'ai. Ça c'est bien parce que dans l'autre il suffisait juste d'appuyer sur la touche et voilà, vous l'avez volé qu'alors là il fallait attendre. Il faut se faufiler maintenant. Allez. Oh cette eau. Excusez-moi mais c'est magnifique. Par contre on va grimper. Vous remarquerez qu'en infiltration c'est plus trop ça déjà parce que... Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, et en plus, c'est parce que j'ai jamais été très bon en infiltration, j'ai toujours été meilleur en combat, etc. On va passer par la grande entrée quand même. On peut passer par là? Non. Y'a un mec là. Ils sont deux. On va peut-être pas passer par là. J'arrive pas trop à voir par où on va passer. Ok. S'il vient, c'est nickel. On l'assomme. On le défonce. Sa gueule. Ouais, je sais. Tiens. Là, il y avait ton pote là qui attendait. Tiens. Ah, ça, c'est nickel ça. Oh! C'est génial ça! Avant il n'y avait pas! On peut même se cacher dans les tonneaux? Ah non! Là c'est incendié! C'est vrai que c'est un peu différent. On peut passer par la fenêtre? Quelque chose qui vaille le coup? Voilà, ce sera mieux. Hop! Là tu peux pas te mettre. Tu peux t'accrocher aux branches? Ouais, tu m'étonnes. Trop faible, même moi je peux le faire. Hop, c'est quoi ça? Un fragment de l'animus? Oh, ça a été aussi dans le 3. Pas que dans le 3, je crois, je sais plus. Mais je me suis jamais vraiment intéressé à cela. Lava, il y en a 15 au total. Ok, alors toi t'es mort, toi. Attendez. Ok. Tiens. Vous en conviendrez que on va devoir se battre comme un vrai pirate. Tiens. Oh putain. Bon les gars. Recule. Oh.
fait un peu de con. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce? C'est à moi ça? Et le sucre? Ah ouais, mais qui tu veux que je fasse de tout le sucre? Prends-le, c'est ton pote quand même. On va se faire un saut à la flotte, écoutez. Voilà, comme ça il fait, il prend son petit bain et on va aller voir Stead, je sais pas comment on dit. Bonnet, voilà. Monsieur Bonnet, on va aller le voir. Monsieur Bonnet. Ah, je voulais sauter sur ce. Bon, tant pis. Hop. Mais d'accord, allez. C'est vraiment plus ça. Bordel, va falloir que je m'y remette, hein, honnêtement, là. Mais bon, c'est le deuxième épisode. On va dire que je suis pardonné. Hop. Allez, viens. On va aller chercher notre fabuleux. Attends. Voilà, je suis. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps ? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. Oh, j'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu, quelle aventure ce serait. Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hey, Bonnet. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Ok. Ah. Ah ouais. Bah, j'avais pas vu cet objectif optionnel. Bon, allez. C'était cool. Bah du coup les amis, je pense qu'on va se quitter pour ce second épisode. Je ferai des épisodes un peu plus longs petit à petit. C'est juste le temps de bah, les premières missions quoi. Donc histoire en même temps que je fasse des tests, parce que je veux voir si ça revient en vidéo. Putain, waouh. Et du coup en vidéo, hein. Voilà, ça, y a du vent. Je te casse la gueule. Bon allez, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas pensez à laisser un petit pouce vert, on se dit à bientôt, bye. Bisous bisous, on se retrouve pour les... Genre je l'ai pas attrapé lui. Mais... Bon. Voilà. Et voilà, donc visiblement Bonnet va partir et nous on va s'occuper d'aller voir le gouverneur. Le monsieur... Enfin, la mission pour laquelle on était venu au départ. Allez, bye les amis, à la prochaine.